La canicule menace deux départements d'ores et déjà placés en vigilance orange, la Drôme et les Alpes de Haute-Provence, 18 départements placés en vigilance jaune. Les températures grimpent d'un cran et certains ont déjà un peu chaud. Reportage à Marseille dans la calanque de Sormioux, Benjamin Pelsi. C'est intenable. 37 degrés sur la plage, 18 dans l'eau, dans la calanque. Le brusque retour de la chaleur a surpris quelques touristes hier. Ici, c'est incroyable, quoi. La chaleur, elle est vraiment étouffante. Le problème, c'est qu'il fait très chaud dehors et l'eau est froide, donc j'arrive pas à me baigner. Le soleil n'a pourtant pas découragé grand monde. Peu de place sur le sable et après un début de mois d'août maussade, les vacanciers sont heureux de voir le mercure monter. Il fait super beau, super l'eau chaud. Est bonne, la chaleur est au rendez-vous, on fait attention. Ils ont leur petite casquette, leur petite crème solaire, c'est super. Jérôme et sa famille ont fait la route depuis le Havre. On est ravis d'être là et avec un temps comme ça, c'est ce qu'on vient chercher. Même si c'est vrai que là, a priori, d'ici quelques jours, il va faire encore plus chaud. Ça sera encore plus dur, mais on est content. On s'y prépare. La préparation, c'est surtout prendre beaucoup d'eau, puis de faire durer la réserve toute la journée. Non merci, il faut qu'on l'économise, parce qu'on arrive au bout. Faut qu'on retourne, hein, 3 km, 3 km à remonter pour retrouver la voiture. Hein. Et si certains ont pu se garer face à la plage, les moins chanceux ont encore une belle randonnée pour rentrer.